star de la gymnastique française qui va s'élancer maintenant vers l'exercice qu'elle craint le plus, mais où elle excelle souvent, la poutre. Petit bout de chou qui nous a surpris, étonné et séduit au Japon. Belle entrée. Exercice de force et de placement en planche. Indéniablement, elle a des qualités naturelles. Elle a été très très vite dans sa progression en gymnastique puisqu'elle... 3 ans et demi de gymnastique et déjà à un niveau mondial, c'est exceptionnel. Attention, acrobatie c'est vers l'arrière. Voilà. Flip, salto, salto. Oh ah oui, ah ben oui. Grosse difficulté de l'exercice et de faire ses saltos enchaînés tout comme au sol en restant sur la poutre. Vous avez entendu la réaction du public. On n'est pas les seuls à s'émouvoir sur ce genre de difficultés manquées. Troisième avec 28 points, 338. Troisième avec 28 points 280. Double arrière groupé. Ah, je crois qu'elle va rejoindre son entraîneur un peu déçu par cette chute. Et oui, la consolation pour Ludivine Furnon de la part de l'entraîneur chinois au centre de Saint-Gilier. La petite ninoise a connu là, au bout de cette progression acrobatique, un faux pas qui ne restera pas dans les mémoires parce que... elle est capable de réussir des choses beaucoup plus étonnantes. Mais c'est vrai qu'elle s'attendait à se classer merveilleusement dans le sillage de Isabelle Severino, qui est pour l'instant en tête. Et bien là, cette chute va la faire